Le livre de ce mois est L'île sous la mer d'Isabel Allende, un auteur sud-américain qui a écrit plus de 25 romans et contes et nouvelles. Le roman L'île sous la mer raconte l'histoire d'une esclave métisse pendant l'époque des plantations de Saint-Domingue, à l'époque de la rébellion des esclaves, et raconte d'une manière dure et cruelle la vie des esclaves pendant cette époque. C'est une romance, c'est un récit d'aventure, c'est beau à lire, c'est passionnant. Et c'est en même temps une chronique sociale, une chronique historique, une page d'histoire à découvrir. Je l'ai lu de bout en bout, je trouve qu'il est bien raconté et très vivant. Il est très vivant, très vivant. Et on sent que l'auteur a mis beaucoup de cœur et beaucoup de recherche dans ce qu'elle a fait. Je le recommande.